Une sortie de l'Union européenne serait très lourde de conséquences pour le Royaume-Uni. C'est le message qu'a voulu faire passer Emmanuel Macron, le ministre français de l'économie, dans une interview au Financial Times le jour du sommet franco-britannique. Il a notamment laissé entendre qu'en cas de Brexit, la France cesserait de retenir les migrants à Calais. Alors que le démantèlement de la jungle se poursuit dans cette ville du Nord pour la 4e journée consécutive, la France attend de Londres une nouvelle contribution financière d'environ 20 millions d'euros. Elle servira à sécuriser la zone d'accès au tunnel sous la Manche et au port de Calais, mais aussi à prendre en charge les demandeurs d'asile. La question des enfants non accompagnés est particulièrement sensible. Il serait une centaine dans le bidonville.